Donc je suis enseignant à l'école de Borèche. Et à l'école de Borèche, j'ai à charge la chorale de l'école, donc des grandes sections jusqu'au CM2. On a monté la chorale l'année dernière. Et j'ai formé un groupe avec les CE2, CM1, CM2. Bon, on nous a proposé de pouvoir adhérer à ce projet. Moi, j'ai dit oui, j'ai plongé son tête dedans, je me dis oui tout de suite. Oui. Je suis chanteuse pianiste, principalement dans le style de musique gospel. Je suis musicien de jazz aussi, beaucoup dans la musique gospel également. Et on a été choisi dans ce projet pour apporter un peu l'univers musical qu'on fait lors de nos concerts, mais pour une création avec des élèves. Et cette création est partie de l'expression des enfants. Les élèves ont écrit des grandes lettres avec plein de mots, plein de phrases, plein d'idées qu'ils voulaient évoquer. Et on s'est rendu compte que le thème de la nature est revenu plusieurs fois. On a fait une grande cuisine avec un tableau où on écrivait les mots, les phrases, au fur et à mesure qu'ils prenaient sens. On a fait un travail d'organisation pour voir ce qui se donnerait au final un refrain, un couplet, un pont. Certaines mélodies de la chanson ont été trouvées par les élèves eux-mêmes. Ben en fait, un travail de création, que ce soit tant sur les arts plastiques que sur la production d'écrits ou sur la musique, c'est une manière de réinvestir des savoirs. De pouvoir puiser dans ce que l'on sait justement pour créer quelque chose et pas de se mettre juste en application. Et puis d'autre part, on aboutit à quelque chose qu'ils ont créé d'eux-mêmes et ce qui est très valorisant et ce qui leur montre l'intérêt des savoirs qu'on essaye de leur apprendre à l'école.